clap de fin sur le premier festival du film d'El Gouna sur les bords de la mer Rouge en Égypte. L'événement s'est clôturé par une remise de prix. L'un d'eux a été attribué à l'acteur américain Forest Whitaker pour l'ensemble de sa carrière. C'est un grand honneur. Je ne prends pas cette récompense comme quelque chose qui honore le passé, mais comme une invitation à travailler pour être encore meilleur à l'avenir. Le prix Mentor Arabia et le prix du cinéma pour l'humanité ont été décernés au documentaire Soufra, dans lequel une jeune fille d'un camp de réfugiés près de Beyrouth lance un service de traiteur. Les gens ici ont été incroyables tout au long de la semaine. Les installations sont superbes et les soirées ont été fantastiques. Le film géorgien Scary Mover a décroché la Golden Star de Gouna, le premier prix du festival, tandis que la Marocaine Nadia Kounda a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Volubilis. L'étoile de bronze du court-métrage revient à Mama Bobo, co-réalisé par Ibrahima Seydi. El Gouna a accueilli de nombreuses stars, dont l'Américain Oliver Stone, l'Égyptien Khaled Selim ou la Tunisienne Dora Zarouk. La promotion du cinéma égyptien était aussi au cœur du festival, d'après son fondateur Naguib Sawiris. C'est normal que le secteur privé soutienne ce secteur. Le cinéma égyptien est l'un des moyens d'expression les plus importants dans l'ensemble de la région et les gens nous regardent à travers notre cinéma. On dit que le Caire, c'est le Hollywood du Moyen-Orient. Tout se passe ici en Égypte. De grands acteurs sont originaires d'ici. Il y a aussi tous ces grands écrivains et cette grande production. Le festival du film d'El Gouna, qui a décerné des prix dotés de plus de 200 000 $ américains, a présenté des films originaires de 36 pays différents.